Au début était le soleil. L'homme, au cours des âges, avait épousé un mode de vie accordé au rythme de la nature. Travail le jour, sommeil la nuit, activité ralentie pendant les grands froids ou les grandes chaleurs, période d'éveil au printemps. Ses rythmes étaient lents. Ses contacts humains étaient réduits aux petits groupes qui l'entouraient. Il avait à faire peu d'efforts d'adaptation à des situations nouvelles. En deux ou trois générations, l'homme a été jeté brusquement dans une existence entièrement différente. Aujourd'hui, il peut s'éclairer, se chauffer, travailler aussi bien le jour que la nuit et autant en été qu'en hiver. Il peut se déplacer avec rapidité et les inventions ont multiplié ses possibilités de contact, ainsi que l'obligation de faire face sans cesse à de nouvelles sollicitations et à l'assaut continuel du bruit. Ses besoins aussi se sont multipliés en fonction de ses possibilités nouvelles. Pour acquérir plus d'objets et avoir plus de distractions, il lui faut plus d'informations et augmenter de plus en plus son rendement. Aujourd'hui, à mesure que l'on s'éloigne de la campagne, les cadences de la vie moderne vont en s'accélérant. Ayant ainsi rompu avec le mode d'existence auquel son atavisme l'avait préparé, l'homme s'essouffle et le surmenage est devenu le mal du siècle. De quoi s'agit-il ? Le surmenage, c'est tout simplement le déséquilibre entre l'effort demandé et les possibilités de l'organisme. Il revêt des formes variées. Disproportion entre les possibilités du sujet et le travail exigé, rythme trop rapide de l'effort, multiplication des sollicitations. Le surmenage, c'est encore la conséquence d'un respect insuffisant des temps de récupération. Certes, l'organisme peut presque toujours faire les frais d'une dépense brusque d'énergie. Mais cette suractivité épuise les réserves. Le sujet, après avoir tenu quelque temps, s'effondre, et d'autant plus vite s'il a abusé des excitants. Le surmenage guette l'homme à tous les âges et dans diverses situations. Surmenage infantile, scolaire, exercice physique disproportionné chez les jeunes. Surmenage de l'étudiant dont le travail intellectuel est doublé souvent de travaux manuels pour payer ses études. Surmenage de l'homme d'affaires. Travail à des chaînes trop rapides. Surmenage de la mère de famille dont l'attention doit être sans cesse portée aux enfants. Certains métiers, métiers de nuit, standardistes, métiers dangereux, métiers à grande responsabilité. Le surmenage est polymorphe. Ses signes sont souvent masqués au début et ses manifestations sont multiples. Amaigrissement, troubles nutritionnels, tuberculose, accident cardiaque, insomnie, troubles mentaux, anxiété, psychose. Entraîné dans un rythme de vie antibiologique, physiquement épuisant et moralement éprouvant, l'homme du XXe siècle peut et doit lui opposer une hygiène de l'effort physique et mental qui lui permettra de conserver son équilibre. Thank you.
Jusqu'à 20 ans, Catherine avait mené une vie calme dans une petite ville de province quand deux événements vinrent bouleverser son existence de jeune fille sage. Elle gagna le championnat de dactylographie du Limousin et rencontra durant les vacances le jeune patron de sa sœur secrétaire à Paris. Ils s'aimèrent, se fiancèrent. Il n'en fallait pas plus pour que Catherine, engagée comme dactylo par son fiancé, prenne le chemin de la capitale. Alors comme ça, vous allez à Paris. C'est la première fois que vous allez à Paris. Ça se voit. Comment ça se voit? Dans le train, Catherine rencontra son premier Parisien. Il était du genre entreprenant et séducteur amusant. Il engagea la conversation et se présenta. Jimmy Brincourt, Public Relations. Public quoi? Vous m'arrêterez si je suis indiscret, mais vous êtes championne de quoi? De poids et haltère? Ah, mais non! J'ai gagné le championnat de dactylographie du Limousin. Ce Jimmy avait des trucs pour amuser les demoiselles. C'est une idée à moi. On écrira là, la bonne lessive à tel fait peur à la saleté. Oh, c'est idiot. Quand est-ce qu'on va danser? Je vous ai déjà dit que j'étais fiancée. Tenez, je vous le donne. Et je vous marque là mes numéros de téléphone, hein? Alors ça, là, c'est mon bureau. Ça, c'est chez moi. À Paris, Catherine alla habiter chez sa sœur. Catherine. Bonjour, Solange. Et son beau-frère, Étienne. Voilà la championne. Alors, Étienne, Sharon. Étienne, oh, écoute, Étienne. Et avec qui que c'est qu'on sort ce soir? Avec le fiancé de mademoiselle. Bernard. Oh, un vrai typhon. Tu pensais à moi tous les jours. Sa première soirée commença joyeusement. Tout n'était que lumière et surprise. Ferme ta lumière, Catherine. Demain, on se lève à 8 heures. Bon. Catherine était tellement énervée qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. À 4 heures, elle entendit Étienne rentrer. Étienne était chef typographe et travaillait souvent la nuit. Catherine l'admirait. Pour elle, il était le modèle de l'homme actif et moderne. Elle ne lui trouvait que des qualités. Ce qui, bien sûr, n'était pas l'opinion de sa sœur. Étienne vous salue. Oh, mais tu es fou, Étienne, de te lever à cette heure-là. Tu t'es couché à 4 heures. Reviens maintenant au stade. Écoute, Étienne. Ça suffit. Ce n'est pas qu'Étienne aimât tellement la course à pied, mais il appelait ça garder la forme. Il trouvait toujours quelque chose de mieux à faire que de se reposer. Résultat, costaud ou pas, il dort 4 heures par nuit. Solange, il faut bien vivre avec son temps. C'est pas des conserves que je vous demande, Dumas, c'est de la bonne volonté. Et 12% entrée sur les bénéfices. Asseyez-vous. Monsieur Farinet, nouveau patron de Catherine, était un beau spécimen d'agité. Mais si, bougez, Dumas, mon vieux, remets-vous. Dans une semaine, ce sera 20%. Allô, Solange, passez-moi le CIF. Mademoiselle Claudine Mestral. Catherine. Vous êtes la championne du Limousin. Oui, monsieur. Ça tombe bien ici, j'ai besoin de champions. La devise de la maison, productivité, rendement, plein emploi. Bon, suivez-moi, je crois que vous connaissez déjà mon adjoint, Bernard Bardin. C'est lui qui vous mettra au courant. Celui-là, je l'appelle le mollusque. Allô? Oui? Qu'est-ce que c'est? Le CI quoi? Le CIF? Ah, parfaitement. Mes respects, mon cher président. Je voulais vous demander si... Bien sûr. Quoi? Allô? Allô? Ça y est, on a coupé. Bon, ça ne fait rien. Venez. Merci. Vous voyez que je ne vous avais pas menti. Allô? Oui, il est là. Il va le prendre dans son bureau. C'est le père Chabrol. Le président? J'y vais.
Ainsi commença l'existence parisienne de Catherine. Elle se jeta dans le travail et les distractions favorites de Bernard avec une égale ardeur. L'avantage, n'est-ce pas, c'est que tu peux travailler en respirant de la chlorophylle. Quoi donc ? Le panache ! Qu'on lui remette un uniforme blanc. Et puis un beau jour, stupidement, l'orage éclata. Non, pas ce soir. Alors quand ? On a tout le temps, je ne veux pas que tu te fatigues à sortir tous les soirs. Dis plutôt que t'en as pas envie. Oh, Catherine, je t'en prie. Bon. Une semaine passa. Catherine boudait Bernard, croyant qu'il céderait, mais Bernard était têtu. Et Catherine commençait à trouver que ce fiancé était bien rangé. Tu es pantouflard, voilà ce que tu es. Catherine, voyons. Non, laissez, Solange. C'est très intéressant. Au fond, tu es mou et démodé. Tu ne veux pas vivre de façon moderne. Ah bon, parce que pour toi, vivre de façon moderne, c'est danser tous les soirs. Je peux quitter mon bled pour vivre ici comme si j'étais toujours à la campagne. Justement, c'est ça qui serait très fort. Arriver à vivre à Paris comme à la campagne, n'est-ce pas, Solange? Ne pas se laisser prendre par la vitesse. Pour toi, tu risques pas. Catherine, je t'interdis... Ne vous inquiétez pas, Solange. Crise passagère. Mais c'est ce qu'on verra. Tu es folle, non? Tu sais bien qu'il a raison. Tout ce que je sais, c'est que je me suis trompée. Je suis pas faite pour Bernard. Uniquement parce qu'il veut que tu mènes une vie raisonnable. Fiche-moi la paix. Catherine, Étienne et moi, nous avons pris une responsabilité. Oh, Étienne, lui, il sera de mon avis. Jamais. Vous ne buvez pas? Au moins l'alcool. Vous y viendrez. Vous savez, le plaisir, c'est tous les plaisirs. Nous irons en enfer? Nous y sommes. Je suis le diable. Vous me ferez brûler? Comme ça. Je ne fume pas. Je t'apprendrai. Tu as un joli briquet. Je te le donne. Souvenir du diable. Jimmy était un gentil diable. Et avec lui, Catherine découvrit d'autres charmes à la vie parisienne. Regarde-moi. Merde, j'ai fait bien fait. Salope de Paris. Catherine prit l'habitude de se coucher très tard, comme Étienne. Mais Étienne commençait à perdre sa bonne humeur habituelle. D'euphorie qu'il devint maussade, nerveux. Tout l'irritait. Mais je te dis que j'ai pas faim. Force-toi voilà. Un peu, voyons. Ah, fiche-moi la paix. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la note de gaz. Oh, je le vois bien. Tu te fous de moi? 12 000 balles. Oh, j'en peux plus. Eh ben, repose-toi. C'est pas ça que je veux dire. Pour madame, ce soir? Un jus d'orange. Ils vont que se disputer à la maison. À devenir fou. Qui? Étienne, il est crevé. Et Solange lui fait des scènes. Elle comprend pas que c'est parce qu'il travaille beaucoup. Il devrait lui fiche la paix. Jimmy, je te parle. Hein? Toutes les mêmes. Comment toutes les mêmes? Bah, toi aussi, tu me fais des scènes. Oh, tous ces énervés finissent par m'énerver. Moi, je ne m'énerve pas. Peut-être, mais tu énerves les autres. Oh, puis ça te plaît pas, hein? T'es libre. Tu veux pas t'arrêter de remuer un instant? Je remue, donc je suis. Oh, très peu pour moi.
Ce soir-là, pour la première fois, Catherine commença à se demander si elle ne faisait pas fausse route. Mais elle n'était pas mûre encore pour les bonnes résolutions et la vie continua pareil. Pour Étienne, de plus en plus fatigué. Pour Jimmy sans Catherine. Pour Catherine sans Jimmy. Dans le travail comme dans les distractions, Catherine vivait dans une perpétuelle agitation. Catherine, ta sœur Solange m'a demandé de te parler. Faut que je me mêle. Que tu aies des ennuis avec monsieur X ou Y, ce n'est pas mon affaire. Ce qui par contre est notre affaire à tous les deux, c'est que depuis quelque temps, ton travail ici laisse fortement à désirer. Je t'assure. Catherine, un champion qui perd la forme se fait battre par beaucoup moins fort que lui. Tout ce serment pour quelques petites erreurs. Ne dramatisons pas, je connais la solution de tes problèmes. Tu connais? Oui. La voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre. Lis-le, tu trouveras ton secret. Tu te fous de moi? Le soir, Catherine ouvrit le livre mystérieux et n'y comprit rien du tout. Au même moment... Tiens, Étienne, regarde. Tiens, Étienne. Tiens, Étienne, ça va pas? Étienne! Oh, Étienne! Étienne, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais rien. Il s'est senti pas bien, alors je l'ai ramené ici en taxi. Oh, mais dis donc, pas de conneries. Ça devait arriver. Maintenant, on va te coucher. Mais ouais. Non, j'ai besoin de personne. Oui, bah viens quand même, viens. Le lendemain matin, Étienne n'allait pas mieux et Solange avait fait venir un médecin. Catherine, je vais à la pharmacie. Attends mon retour pour partir au bureau. N'oubliez pas l'ordonnance, madame. Merci, docteur. Je reviendrai ce soir vers 5 heures. En attendant, je le fais dormir. Docteur, qu'est-ce qu'il a? Mademoiselle, j'ai examiné votre beau-frère et je vais faire procéder à diverses analyses, mais mon diagnostic est déjà fait. Surmenage. Surmenage, mais ça veut rien dire? Hélas, si. Votre beau-frère fait un métier fatigant. Il faut qu'il se décide à dormir. Beaucoup plus. À ne plus abuser du sport et toute une série d'activités annexes qui ont fini par le mettre sur les genoux. Il est costaud, d'accord? Mais il faut qu'il comprenne qu'il y a toujours quelque part une limite qu'on ne peut franchir sans ça. Je compte sur vous et sur votre sœur pour essayer de le convaincre. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, docteur. Catherine n'était pas convaincue. À son bureau, une mauvaise surprise l'attendait. Convoquée par son patron, elle s'entendit reprocher vivement de graves négligences dans son travail. Elle espérait que Bernard allait la défendre, mais il ne dit pas un mot. Visiblement, elle lui donnait tort. À la fin de la journée, elle s'en alla désespérée. Tout autour d'elle s'écroulait. Étienne était malade. Elle n'était plus une championne. Et Bernard l'abandonnait à son triste sort. Il était le seul, pourtant, qui pût Allô? La secourir. Bernard? C'est Catherine. Regarde pas dans la glace, Catherine. Il n'y a pas 2 mois que tu es à Paris. Je me suis trompée. Ouais. J'aime pas beaucoup le favoritisme. Ceci dit, je pourrais arranger ton affaire. Tu es un ange. Je n'ai pas dit que j'allais le faire. J'ai dit que je pourrais. Oui, Bernard pouvait convaincre son patron d'oublier l'incident du matin. Oui, Bernard pouvait remettre Catherine dans le droit chemin des bonnes dactylographes et des fiancées raisonnables. Il lui accorda de bonne grâce le baiser de la réconciliation, suivi du baiser des amoureux. Comme quoi le cœur a des raisons que la raison approuve. On dirait qu'il est mort. Oh,
Ne dis pas de bêtises. Viens par là. Je sors faire des courses. Reste avec lui? Oui, s'il se réveille. Je reviens dans un moment. Non, bien sûr, Étienne n'était pas mort. Ce qui était mort, c'était le mythe de l'homme invulnérable, pouvant tout se permettre sans se soucier des rythmes harassants de la vie moderne. Catherine admettait enfin cette vérité première. Elle allait maintenant repartir du bon pied. Elle avait repris confiance. Bernard avait promis de venir la chercher le lendemain matin. Alors, ce moribond? Il dort. C'est ce qu'il peut faire de mieux. Direction? La tienne sera la mienne. Alors au bureau, puisque maintenant tout est en ordre. Tu ne la regretteras pas ta folle vie? Non. Ton agité de Jimmy? Non. Il était gentil, tu sais. Puis il dansait bien. Mais je danserai plus. Pourquoi? C'est pas défendu. Tu sais danser? Un peu. Tu m'apprendras. Quand? Ce soir. Semaines plus tard, Catherine épousa Bernard. Mais il lui restait encore un mystère à éclaircir. Bernard! Oui? Qu'est-ce que c'était que cette histoire de livre? Hein? Oui, le livre que tu m'as prêté. Où était le secret? Oh, nulle part! Comment nulle part? Le secret, c'était de lire le livre. Quand on a le temps de lire un gros bouquin comme ça, c'est qu'on ne vit pas comme une folle. Seulement toi, bête comme tu es, t'as rien compris. Oh, dis donc, c'était pas tellement intelligent, ton truc. Ah, ben mon truc, il est d'un imbécile nommé La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Creuser, fouiller, bêcher, un trésor y est caché. Seulement, il n'y avait rien dans le champ. Hein, c'était le travail. Décidément, t'aimes La Fontaine. Ha ha ha!